l'Ancien et le Nouveau Testament sont attachés ensemble dans un seul livre, la Bible. Cette Bible contient des vérités qui se vérifient jusqu'à ce jour. J'aimerais vous raconter une histoire réelle qui se passe dans la Bible et qui se concrétise aujourd'hui. Dans la genèse de l'histoire, le troisième fils du premier homme se promenait sur l'extension du jardin étendu d'Éden pour apprécier les actes des apôtres. Le week-end dura sa promenade. Il s'est rendu vers une rivière pour trouver état de prière. Et là, il parlait aux gens qui y étaient réunis quand tout à coup il remarqua une jolie femme, entrepreneur, qui craignait Dieu. Une femme généreuse, attentive, hospitalière, responsable, gentille, courageuse. Et que sais-je encore? C'est ici que Seth et Lydie se croisèrent. Mais voici aujourd'hui ici devant vous pour vous présenter Lydie Mayao, la femme de ma vie, une femme sauvée par le sang précieux de Christ, une femme qui crée et sert Dieu, douce, attentive et généreuse, courageuse, respectueuse et vertueuse, belle et aimable, une incarnation divine de la beauté, celle qui a réussi à me faire quitter mes parents pour qu'en elle je m'attache pour le reste de ma vie. De tout cœur, Lydie, je t'aime.